Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau August Crazy Vlog. Je vous reprends hyper tard, il est quasiment 18h. Je crois que je vous ai filmé juste quand j'ai rangé mon linge et quand j'ai choisi ma tenue pour ce soir. Parce que ce soir je sors avec mes copines et on va faire la dernière soirée nocturne à la Villa Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Donc, Saint-Jean-Cap-Ferrat ? Moi je crois que c'est ça. Donc c'est à 20h, il y a un concert, etc. On peut visiter la villa, on peut accéder au jardin, tout ça. Mais il y a un concert en plus. Donc ce soir c'est de la musique, oui il me semble, parce que c'était soit de la musique, soit de la danse, soit de la poésie, ce genre de choses. Et je crois que ce soir c'est de la musique. Donc on va voir ça. Dans tous les cas, ce soir c'est le dernier soir où il y a quelque chose là-bas. Moi je n'ai jamais foutu un pied dans cette villa de toute ma vie entière. On devait y aller il n'y a pas si longtemps, mais au final on n'y est pas allé. Et on ira certainement bientôt deux journées. Mais du coup pour faire le soir, c'est vraiment le dernier soir où c'est possible. Après ce sera que l'année prochaine. Du coup on va y aller ce soir. J'ai choisi ma tenue, là je vais aller me maquiller parce que Titoun arrive à 18h30 à la maison, histoire qu'on boive un coup et ensuite on partira parce qu'il y a quand même 40 minutes de route d'ici. Donc on va y aller ensemble histoire de pas y aller chacun de son côté. Et puis voilà, donc je me changerai après. Je vais d'abord aller me maquiller, je me coifferai ensuite. Ah, moi, plus de croquettes. Ben après, je mettrai après. Je vais déjà aller me maquiller et me coiffer. Et ensuite, je m'habillerai. Et on s'occupera d'amour après. On peut faire le Titanic, tu nous filmes? Vas-y, je suis à la chute. Marie, coule pas. Hein. Pourquoi tu suis? C'est moi qui coule. Parce que j'ai un gros cul. J'ai décidé que ce serait toi qui coule. Je suis censée faire quoi? Tu me prends pas l'arrière. Oh, oui. C'est bien parce que j'ai les backstage. Tu regardes ça? Oh, c'est si doux. Attendez, putain, mais Chacha, c'est pas beau avec toi. J'ai fait quoi, Doudou? Mais ça fait pas joli avec ton écran qui t'illumine là. Oh, ah, mais ça, mais je pense pas. Mais Doudou, t'as quel âge? Sauf que ta taille, ouais. Hello, Bob. Eugène Lamy, entre 1840 et 1850, l'a décoré ici. C'est comme ça que le métier a été enfin déclaré officiel. Trop beau. On a déjà fait un peu les jardins et là on va faire la maison. C'est trop beau. C'est grave beau. C'est beau. C'est magnifique. Putain. Et la vaisselle, chérie. C'est trop beau. Oh putain.
droit. Oh, l'odeur, ça sent chez la nuit. Faire un bal avec les robes, tu sais, d'avant, à la Bridgerton, tu vois. Oui, mais il y en a un. Ici? Non, pas ici. Eh oui, non, ça je sais, mais qui le... qui rentre? T'imagines que les gens ils vivaient là, genre, c'était leur maison. C'est un truc de fou. Ils vivaient ici, genre. On prend le thé dans le petit salon. Dans le boudoir, ouais. C'est incroyable. Vraiment, je suis en train de faire quoi. Est-ce que tu verrais bien m'habiter ici, Zélu? Ah oui. On serait pas mal, non? Mais de ouf! Elles avaient les mêmes choses! C'est incroyable cette histoire! Parce qu'on regarde les statues. Ouais. Mais ça, chez Mimi écrit le truc avec les fleurs. Bon, c'est pas une horloge donc on a. Mais il y a un truc avec les fleurs en porcelaine comme ça. Ça, ça a été mon rêve pendant je sais pas combien d'années. D'avoir un secrétaire comme ça. C'est un peu moyen. Oui, tu veux que je me pousse peut-être? Non, c'est pas ok. Tu l'auras un jour, ton petit secrétaire. J'espère bien. Bonjour. Quand on aura un château. Grave. Quand on aura un château, là, j'ai l'enchant. Il y a cette pièce pour... Oh bah oui, là. On peut même pas se croiser quand même, tellement c'est grand. Chacun peut faire sa vie sans souffle. C'est ça. C'est un grand lit. C'est quand tu t'engueules. C'est chacun son côté. Bah chacun son lit littéralement. Mais dans la même pièce. C'est mignon. Ils dorment ensemble, mais c'est pas grave. Voilà, c'était pour pas être cramé peut-être. Ah c'est beau. Magnifique. Il y a des balcons comme ça et que... Il y en a plein, chérie. Ils sont en train de danser, là, qui est en bas, mais c'est deux amis en bas, il ne faut pas qu'ils se... Ha ha ha!
matin, on se retrouve dans la même position qu'hier, dans la même... tout pareil. En fait, je viens de finir la partie d'hier que vous avez vue en fin de vidéo. Donc la partie de... où je vous montre mes cadeaux d'anniversaire. Je voulais faire une clôture à ces August Crazy Vlog. Je suis trop contente d'avoir partagé ce mois d'août avec... J'ai pas été ultra assidue, j'ai pas fait le mois entier, mais je suis quand même contente de tout ce que j'ai fait. Je pense que l'année prochaine, ce sera encore mieux en tout cas. Et je suis déjà hyper fière de ce que j'ai accompli pendant ce mois d'août. L'année prochaine, bien sûr, l'objectif, c'est de faire les 31 jours du mois d'août. Mais c'est déjà énorme d'en avoir fait. Je crois qu'on en est à 18. Donc les deux tiers, on a fait, donc c'est quand même pas mal. C'est vraiment un format que j'adore et que je sais que je ne vais pas arrêter si tôt. Et de toute façon, la prochaine fois qu'on se retrouve avec ce genre de format, ce sera pour les Vlogmas. Donc c'est pas dans si longtemps que ça d'ailleurs. En attendant, les vidéos reviennent à la normale. Vous aurez deux vidéos par semaine. On revient comme avant, donc le mercredi et le samedi. Et puis voilà. À 18h. On n'oublie pas de s'abonner si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo et puis laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces August Crazy Vlogs. En tout cas, moi, je vous embrasse très très fort. Bye bye.